Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va commencer tout de suite avec ce tweet de Gaël Ben. Le FC Nantes ne s'était jamais imposé face au Toulouse FC en Ligue 1 depuis la remontée en 2013. C'est un signe. Samedi, les Nantais se sont donc imposés au stade de Toulouse sur le plus petit score 1-0. Mais ce que l'on retient, c'est bien évidemment la bonne opération au classement. Et puis nous parlerons également de l'effet Conceição et du Mercato avec l'arrivée d'un seul et nouveau joueur avec nos trois invités. Fabrice Hawkins, bonjour, de Sun Radio. Vincent Bassigliano, ancien joueur du FC Nantes, bonjour. Et Nicolas Fradin de Sun Radio également. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors, on va dire que c'est la troisième victoire consécutive du FC Nantes après Angers et Montpellier, sans même avoir encaissé un seul but. L'entraîneur Conceição dit « Je suis content pour les joueurs qui ont fait un match magnifique. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire méritée ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Sergio Conceição sur ce match magnifique ? Si on prend les statistiques, non, puisque Nantes a été dominée dans tous les compartiments. Toulouse avait la possession du ballon, ils ont eu plus de tirs cadrés. Nantes a été par contre extrêmement réaliste. Un tir cadré, un but, c'est un peu à l'image de ce qu'ils faisaient avant le match de Nancy, parce que face à Nancy, certes ils ont perdu, mais ils se sont concrétisés énormément d'occasions aussi. Donc en tout cas, en termes d'efficacité, c'est très positif. Je trouve que c'est très juste, mais il faut juste rappeler une petite chose. C'est pas de savoir si Nantes a mérité de gagner ou pas. Nantes a gagné. Et Nantes est sur une dynamique de retrouvailles de son jeu, de ses capacités. Être capable de gagner à Toulouse, même si ce n'est pas mérité, c'est d'avoir gagné. Et ça, c'est exceptionnel. Je pense qu'on est sur une continuité. Vous savez, au début de saison, même si aujourd'hui on est un peu dur avec Nantes, en début de saison, ça jouait pas trop mal, mais ils avaient du mal à gagner. Et la défaite, la défaite emmène la différence de jeu. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à jouer aussi bien. Par contre, plus on gagne, même si c'est mal, plus on se stabilise. Et plus on a d'assurance. Et puis aujourd'hui, moi, c'est ça que je regarde. Je me dis aujourd'hui, ils ont gagné à Toulouse. Ce n'était pas un match facile. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Être capable de gagner là-bas, bien ou pas bien, maîtrisé ou pas maîtrisé, ils ont gagné. Et ça, c'est ce qu'il faut garder aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le genre de match qu'ils n'auraient pas gagné il y a encore 2-3 mois. Voilà, ouais. C'est très juste. Avant l'arrivée de l'entraîneur portugais, on voit des choses dans la combativité, dans l'envie qu'on ne voyait pas avant. Certes, il y avait peut-être un peu plus de jeu encore. Je ne suis pas encore tout à fait d'accord avec ça. Ouais. C'est loin d'être un match magnifique. Je pense que Conceição s'est un petit peu emballé. Ce qui est magnifique, c'est plutôt l'enchaînement de victoires, l'enchaînement de résultats qui est très positif. Maintenant, on se satisfait juste de la victoire et des points. Je crois que Conceição, c'est un entraîneur meneur aussi. De dire ça après un match, moi je suis joueur, je lis le journal, quelque part on se fait un peu critiquer parce qu'on n'a pas très bien joué, mais j'ai mon entraîneur qui est satisfait de moi. J'ai Caen qui arrive, j'ai Paris Saint-Germain. Je suis costaud, quoi. Voilà. Justement, tu parles d'un entraîneur meneur. En tout cas, on va aller regarder dans les vestiaires après le match. Alors, vraiment, il y a une joie immense de ces joueurs. On a l'impression qu'ils ont presque gagné une finale. Regardez. Génial. C'est une ambiance assez incroyable, surtout à la fin de la séquence. Ouais, mais je suis pas. Je trouve ça. On a joué, 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 on a joué.
Ça vous rappelle des bons souvenirs? Je trouve ça génial. C'est un peu pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que ce qui est en train de naître, c'est un vrai groupe. On le voit bien, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est pas extraordinaire, mais on en reviendra après si on peut discuter un peu des objectifs, de la visibilité, de ce qui s'est passé. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le dernier match que j'ai vu à Nantes, c'était contre Lyon. Après, entre-temps, bon. Et c'est vrai qu'après... quelque chose de précis, c'est qu'après Lyon, je me souviens, j'étais accompagné de pas mal de joueurs et d'anciens joueurs, et les réflexions, c'était, mais comment on peut se sortir de cette situation? Quels sont aujourd'hui les ingrédients? Et on ne mettait pas un point sur les joueurs en eux-mêmes. Lequel ressort vraiment? Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec un groupe qui fonctionne très bien. Donc, si on veut remonter le temps... On n'a qu'à se dire aujourd'hui, ben on se retrouve pas mal d'années en arrière, où on retrouve une envie, une entrain. Tant pis si le jeu n'est pas ce qu'on aime, il y a du résultat. Justement, après cette défaite face à Lyon 6-0, il me semble avoir entendu, et ce dans les coursives de la Beaujoire, que c'était la pire équipe de Ligue 1. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'arrive à faire contre CSAO avec les mêmes joueurs que disposait René Girard. Mais c'est ça ce qui peut sembler assez incroyable, c'est qu'on a les mêmes joueurs. Oui, mais il y a des explications. Et il y a une explication que moi je vois de mon côté en tant que joueur, c'est qu'en début de saison, on a un président qui veut relancer le FC Nantes en disant, voilà, je ne garde plus Michel Derzakarian parce que je veux créer du jeu. Ça, c'est important parce que c'est le signe de ce qui s'est passé cette année. Donc, on veut créer du jeu. On fait venir des joueurs qu'on ne connaît pas très bien. Et dans le recrutant, on s'est encore une fois pas mal trompé. Ce qui fait que les joueurs, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais qu'ils sont peut-être pas au niveau du jeu qu'on voudrait ou qu'on aurait voulu prôner. Là, René Girard se met un peu dans le mur. Situation difficile, les joueurs ne se retrouvent pas sur le terrain, comprennent plus très bien comment on doit jouer. Si René Girard avait voulu faire du Conceição, il n'aurait pas pu, parce que la direction qu'avaient les joueurs, c'était celle-là. Arrivé à un moment donné, on a non-retour, on change d'entraîneur. L'entraîneur dit, voilà, aujourd'hui, on va revenir sur des bases. Mais le 4-4-2, vous le connaissiez de l'année dernière, de Michel Derzakarian. Ce qu'on est en train de vivre, vous n'avez pas le sentiment de l'avoir déjà vu avec Michel Derzakarian? Mais c'était quoi? C'était se sortir d'une situation délicate. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, on est très bien pour se sortir d'une situation. Mais c'est la projection qui m'embête. Parce qu'au départ, c'était ça qui était annoncé en début de saison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est content. Mais dans la projection, qu'est-ce que ça va donner? Oui, on profite de l'instant T, mais on voit pas assez loin. On est tous contents, moi c'est pareil. Ouais, effectivement, le 4-4-2, on l'avait déjà vu aussi sous René Girard, avec Amine Harit positionné en sentinelle avec Guillaume Gillet. Et ce qui, pour moi, a changé également, c'est l'envie, clairement, qui est traduite par les joueurs sur le terrain. On sent des joueurs qui sont galvanisés par un coach. Et là, l'apport de Conceição est primordial, parce que, clairement, moi je me souviens d'un proche d'un joueur qui m'avait dit, avec René Girard, c'était Disneyland. Donc, c'est-à-dire que les joueurs, ils arrivaient un peu quand ils voulaient. Ils savaient très bien que, bon, ils pouvaient un peu lever le pied. René Girard, vous savez, c'est un coach aussi que les joueurs appréciaient énormément. Et ils ont peut-être un peu joué là-dessus un peu trop. Et avec Conceição, justement, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus se permettre de faire. On en reparlera de l'effet Conceição, de René Girard et tout ça. En tout cas, il y a un joueur à qui ça semble réussir, Conceição, c'est Salah, puisqu'il a marqué. On va quand même revoir ce but. L'unique occasion, quasiment à part en fin de jeu, des Nantais, des Canaries, samedi soir. Regardez, donc c'est sur le côté droit, Iloki qui lance Léo Dubois, le centre et la belle tête piquée de l'Argentin. Donc Emiliano Salah isolé à la 20e minute. C'était vraiment la seule occasion franche. Alors, il redevient, avec ses 7 buts inscrits, toutes compétitions confondues, le meilleur buteur des Canaries. C'est mérité pour Emiliano Salah, qui se bat quand même depuis plusieurs matchs. On le voit courir beaucoup. Je pense que c'est un joueur déjà beaucoup apprécié des supporters, de par l'envie. Il compense ce manque technique, on va dire, par une envie plus forte que les autres. Et je pense que le discours de Conceição correspond à cette mentalité. Qu'à Salah, lui, c'est un combattant. Il va... de la première à la dernière minute sur laquelle il est sur le terrain, il va se battre, il va aller chercher les ballons, il va se battre, il va au pressing, il attend que ça suive, il court partout, en fait, ça là. Et je pense que là, il est récompensé de son envie, et on est tous contents, je pense, de le voir enfin marquer. Et il n'est pas là par hasard. Je veux dire, quand on marque, c'est que 7 buts peut-être, mais c'est en Ligue 1. Et puis ça correspond vraiment, je pense, à ce que veut apporter Conceição dans l'envie, dans la force que doit amener le FC Nantes sur le terrain. Ça là, pour moi, c'est totalement mérité parce qu'il a montré au début de saison. Et oui, puis il y a un mot qu'on a envie de retenir, parce que ça faisait longtemps qu'on ne pouvait pas le dire, c'est l'efficacité. Finalement, c'est ce qu'on va retenir de ce match, parce que qui était un petit peu un match un peu ennuyeux entre nous. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de part et d'autre.
Non, mais oui, c'est un match un peu quand même ennuyeux. Salah, il a été en réussite. Il n'a pas eu énormément d'occasions. Il en a peut-être gâché une ou deux. Bon, après, il faut quand même revenir sur le match de Nancy, où là, pour le coup, Nantes a eu énormément d'occasions. Ils n'en ont pas mis une. Et là, ils ont retrouvé cette efficacité. Ça fait du bien. Ça fait du bien à Salah. 4 buts déjà en championnat. Il en avait inscrit 6, il me semble, la saison passée. On sait que ce n'est pas un crack techniquement. Ce n'est pas un joueur qui va éliminer 2 défenseurs et qui va frapper. Maintenant, dans ce que lui demande Conte Sao, et surtout avec l'apport, on va en parler tout à l'heure, je l'imagine, de Felipe Pardo, il aura certainement des centres et il se retrouvera de plus en plus dans cette situation, en tout cas, de pouvoir marquer des buts dans la surface de réparation. Je pense que c'est là où il est le meilleur. Ce qui a changé Conte Sao, on prend 2 secondes. Ouais. Il a apporté aussi la vitesse sur les côtés. Il a compris que le football aussi moderne, c'est ça, c'est d'apporter de la vitesse dans les couloirs. Il privilégie beaucoup le couloir droit avec Julie Loki. On voit qu'il l'a titularisé, que maintenant c'est une pièce importante du système de Conte Sao. Et Julie Loki, il est hyper important maintenant dans cette équipe. Il apporte beaucoup de solutions devant, et notamment des centres pour Salah quoi, qui arrivent. Match un petit peu donc tristouné, c'est ce que partage aussi notre twittos Vix Louis qui dit « J'ai failli m'endormir 10 fois, mais l'essentiel est là. Premier succès au Stadium depuis 10 ans. 3 matchs en Ligue 1, 3 victoires pour Conte Sao. » Alors moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser parce qu'elle est classique, mais l'homme du match, très souvent, il ressort de lui-même, mais là, il y a plusieurs noms. Alors on parle de Léo Debois, on parle de Maxime Dupé. Pour vous, qui est l'homme du match de samedi soir? Moi, j'ai une idée, mais vous n'allez pas... C'est le groupe. C'est-à-dire... Ah bah oui, mais c'est facile, ouais, Vincent. Je sais bien. C'est trop facile. Non, mais je pose une question, là. Pour être très clair... C'est pas l'école des fans. Hein. Bah ouais, on peut très bien... Bon, alors après, si on part là-dessus, on va aller sur Maxime Dupé, parce que, bon, voilà, on sent que c'est un dernier rempart sur lequel, quand c'est Sao, comptait pas trop au début, on a quand même gardé, puis d'un seul coup, il prend sa place. Il a quand même... je trouve qu'il a quand même réussi à imposer sa nature, alors qu'à un moment donné, il était en doute, et c'est jamais facile pour être gardien de douter. Donc aujourd'hui, ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Mais pourquoi je parle du groupe? Parce qu'aujourd'hui, ça y est, on a retrouvé un bloc. Alors pour moi, encore une fois, je le redis, retrouver un bloc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc aujourd'hui, à travers ce bloc, aujourd'hui, on est intéressant, parce qu'on est très agressif sur le porteur du ballon, et on joue la transition. La transition, c'est quoi? Dès qu'on récupère, on part sur l'avant, tout de suite. Et là, on a effectivement beaucoup de mouvements, parce qu'on est généreux. Vous avez vu, on joue contre Nancy, ça ne se passe pas bien. Première chose que dit Conte Sao, c'est qu'on n'a pas été agressif, au-delà de ne pas avoir de réussite devant les buts. Mais rappelez-vous, avec l'équipe qu'on a là, le nombre d'occasions qu'on a eues les matchs précédents. Ce n'est pas comme si c'était nouveau de savoir qu'on avait du mal à marquer. Mais d'ailleurs, on perd contre Nancy 2-0. Conte Sao aligne les mêmes 11 joueurs. Est-ce que... Ça, c'est efficace aussi parce qu'ils ont envie de prendre leur revanche, tout simplement. Il est fidèle, en tout cas, à ce qu'il avait dit, puisqu'avant la rencontre de Nancy, il avait dit qu'il ne regarderait pas Toulouse, que lui se concentrait sur Nancy, qu'il alignerait la meilleure équipe. Donc, il a été fidèle à ce qu'il a dit, il a aligné la meilleure équipe qui a été reconduite face à Toulouse. Alors, on va revenir sur Maxime Dupé, parce qu'il a quand même fait, même si la défense était là, la défense nantaise était en place, Maxime Dupé a fait de belles parades, et je vous propose de regarder deux d'entre elles quand même, parce que la question va se poser aussi sur le retour de Rémi Rioux très très prochainement. On parle même de la semaine prochaine. Alors c'est ce que nous disent d'ailleurs nos amis Twittos. Coco Laronce nous dit « Gros match de ta part Maxime Dupé, 2 arrêts décisifs en première et de belles sorties aériennes. » Et puis Atlas Foot FR nous dit « Le choix va être difficile dans le futur entre Dupé et Rioux, qui devrait vite revenir selon Canal+. » Oui, alors, mais bon, je veux bien répondre, mais tu peux répondre aussi. Comme disais, la question ne se posera plus. Ça ne se posera pas. Elle n'a pas à se poser. Parce que s'il y a un rôle sur lequel il faut être très clair, c'est le rôle de gardien de but. Mettez pas en... Aujourd'hui, Rémi Rioux, c'est le titulaire. On ne peut que réduire Rioux en remplaçant s'il fait des bourdes. Mais on ne peut pas dire ça. Ça peut arriver qu'il soit un peu moins bien. Mais depuis le début, et ça fait un paquet d'années qu'il est là, on peut compter sur lui. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je me mets à la place de Maxime Dupé, qui aimerait tellement jouer. Ouais. C'est très, très dur. Mais c'est le problème du rôle du gardien. C'est qu'aujourd'hui, à Nantes, on ne peut pas avoir qu'un seul gardien. Mmh. On est obligé d'en avoir deux. Alors aujourd'hui, c'est le rôle de Maxime Dupé. Ça veut dire qu'aussi, Maxime Dupé, aujourd'hui, s'il continue comme ça, ça veut dire qu'il aura aussi une opportunité de devenir en un, ou à Nantes, si Rioux s'en va, ou ailleurs, si jamais il trouve quelque chose. Voilà. Mais je trouve que c'est les chemins normaux, quoi. Oui, c'est très juste. Hein, c'est très juste ce que dit Vincent. Il bénéficie aussi de son statut de cadre, justement, parce que si on regarde les performances, quand Maxime Dupé a pu s'exprimer cette saison, même la saison passée ou même celle d'avant d'ailleurs, Rioux, c'est pas net, quoi. Il n'est pas largement au-dessus. Maintenant, c'est quand même un cadre. Et effectivement, en l'absence de grosses bourdes, on ne peut pas le mettre de côté comme ça.
Bon, je reviens quand même à la question initiale que je vais du coup poser à Nicolas oui, et à Fabrice. Voilà, l'homme du match, puisque c'est pas l'équipe, Vincent. Alors, Léo Dubois, Kofi Gigi, Diego Carlos ou Maxime Dupé? Moi, j'étais plutôt. J'allais dire comme Vincent, c'est oh un peu le mot. Merci, je vais te donner une réponse quand même, Marion. Moi, je mettrais quand même en avant Léo Dubois. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a pris de l'épaisseur depuis un moment maintenant. C'est un joueur qui s'est rendu compte qu'il avait aussi des capacités. Il n'hésite plus à prendre son couloir, à délivrer de bons centres comme il l'a pu le faire sur le but d'Emiliano Sala. Après, il y a également Julie Loki, avec qui il a une très bonne complémentarité. Et je trouve que ce couloir droit fonctionne plutôt bien. Ouais, voilà. J'aurais dit Iloki ou Dubois aussi, tu vois. Donc, pour moi, Iloki est la pièce maîtresse de Conceição pour moi sur le côté droit en ce moment. Et il faut qu'il continue à le titulariser. C'est pour l'instant, pour moi, le facteur plus. Ouais, en exactement. Fait, il est détonateur. C'est-à-dire qu'en gros, il a dans son jeu beaucoup d'explosivité. C'est pas toujours très clair, mais ça reste un peu sa marque de fabrique. Mais on sent quand même qu'il est capable de venir percer les lignes. Dans le foot aujourd'hui, en foot moderne, ce qui est important, c'est aussi d'être capable de traverser les lignes. C'est aujourd'hui de rejouer en arrière. Bon, c'est bien gentil, mais si on ne traverse pas les lignes et si on n'a pas des éléments comme ça qui soient capables d'essayer, il ne réussit pas à tous les coups. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Moi, je suis d'accord. C'est très bien. Bon, si tout le monde est d'accord. Mais je reste sur le groupe, quand même. Quand même. Hein. Un petit mot aussi de Stepinski, qui, lui, en revanche, n'a pas vraiment brillé samedi soir. Il est sorti rapidement, à la 40e minute. 33% seulement de passes réussies. Finalement, on se dit que... C'est compliqué pour lui. Stepinski, je pense que cette attaque à deux profite beaucoup plus à Salah, en fait. Et il n'arrive pas à s'y retrouver. Il est en manque de confiance aussi, il faut le dire, devant les buts notamment. Donc, avec l'arrivée de Felipe Pardo en plus, je pense que son temps de jeu va se réduire, malheureusement, pour Stepinski. Pour que Stepinski réussisse, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, on voit des choses un peu supérieures. Aujourd'hui, il est techniquement, ça a l'air bien, ça a l'air un peu moyen. Sauf qu'à côté de ça, on a un Salah qui va dans tous les sens. On a Bamou qui a été blessé, mais quand il va revenir, c'est pareil. Dans le jeu que prône aujourd'hui Conceição, on a besoin de gens qui devant, parcourent du terrain. C'est ce qu'on voit. Alors c'est vrai qu'en parcourant du terrain, on est peut-être un peu moins technique. Stepinski est plus précis dans certains domaines, mais manifestement, il ne sort pas sans l'épingle du jeu. Donc aujourd'hui, moi, je reste toujours sur ma faim. Je ne sais pas qui est Stepinski. Je ne sais pas quel est vraiment son niveau. Alors en tant que joueur, s'il y a un truc que je n'aime pas, c'est critiquer un autre joueur. Donc je ne vais pas le critiquer. J'attends de voir. Voilà. On a mis un temps fou avant d'avoir Ilozic à ma période. Moi, pour ceux qui aimaient le noir et blanc, c'était dans ma période. Donc Ilozic, on a mis un temps fou. On a mis un an avant de voir Ilozic marquer des buts à tout va. Donc voilà, et la difficulté à Nantes aujourd'hui, c'est qu'un jeune, un mec, quand il arrive, il faut que ça marche tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on veut des résultats tout de suite. J'aimerais tellement qu'on prenne le temps, mais on ne l'a pas. Alors tous les autres clubs vont vous dire la même chose. Ouais, mais les autres clubs travaillent peut-être un tout petit peu différemment, peut-être. Son arrivée ressemble fort à celle de Djordjevic quand Nantes était en Ligue 2. Exactement. C'est le même profil d'attaquant et il a les mêmes difficultés qu'avait Philippe quand il est arrivé au FC Nantes. Ça se voyait moins parce que Nantes était premier de Ligue 2 et puis que ça roulait, les attaquants marquaient beaucoup. Djordjevic rentrait de temps en temps, mais il était emprunté techniquement, mais il marquait. Ouais, et puis il marquait quand même sur des matchs importants, il a fait gagner des matchs et petit à petit, il a pris du galon et finalement, il a fait une grosse saison après en Ligue 1. Maintenant, il est à la Roma, exactement. Voilà, c'est vrai que comme tu dis, les résultats et le contexte n'aident pas forcément. Aujourd'hui, venir à Nantes, sincèrement, venir à Nantes aujourd'hui, waouh! Surtout l'attaquant. Ouais, regardez aujourd'hui. Surtout l'attaque. Je pense qu'on va parler de Pardo tout d'accord. à l'heure. Ouais. Mais déjà, 12 minutes et déjà on est en train de dire qui est Pardo. Ouais. Je pense que 12 minutes pour un gars qui vient de Grèce et qui n'a pas joué pendant 3-4 mois, est-ce que c'est maintenant qu'il faut analyser sa qualité? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, on en parlera peut-être. On va en parler tout à l'heure, exactement. Parce que je vois le temps passer. Mais c'est parler. Ça va trop vite. Mais moi, j'ai une question piège. Alors, en plus, j'ai pas la réponse, mais j'ai une question piège pour vous du FC Nantes. Voyons si vous avez bien suivi. De quel joueur s'agit-il? 50 ballons joués, 25 ballons récupérés, 82% de passes réussies. C'est où Abdoulaye Touré ou Gilet? Je n'ai pas la réponse. On la donnera mardi prochain. Je laisse tous nos amis réfléchir. Je voulais juste avoir votre avis et comme ça on dira mardi prochain si vous avez. C'est forcément un milieu de terrain défensif. C'est Touré ou Game Gilet. Ouais, c'est ça. Ouais. On est dans le. Je pense que c'est au milieu que ça touche le plus ballon. Donc je pense qu'on doit se trouver par ici. Harit, c'est plus vers l'avant, mais c'est moins la récup, même si c'est intéressant. Je vous laisse méditer sur cette question.
Un petit mot également aussi de la pelouse, la fameuse pelouse entre guillemets mitée. Patrice Cessis nous dit, au lieu d'empêcher des supporters de se déplacer, la Ligue ferait mieux de se pencher sur les pelouses indignes. Bah, il a raison, parce que c'est un champ de patates, il ne faut pas dire autre chose. Je vois une occasion notamment d'Harit, de Braithwaite aussi qui glisse à chaque fois. La pelouse. On ne peut pas jouer sur des pelouses comme ça, après on réclame du jeu, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, le Nantes a pris la très bonne initiative de bâcher celle du stade de la Beaujoire, et elle sera bâchée après la rencontre face à Caen, exactement, pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Mais sans ça, c'est compliqué. Moi, perso, je ne comprends pas pourquoi on investit dans des conneries, excuse-moi, comme des sièges baquets ou des trucs comme ça dans les stades. Et on n'investit pas dans la pelouse, qui est l'outil principal d'un stade de Ligue 1 ou d'un professionnel. Moi, ça me rend fou, cette histoire de pelouse. À chaque fois qu'on regarde Montpellier, Bordeaux, c'est incroyable qu'un club comme ça n'ait pas une pelouse potable pour jouer au football, quoi. Alors, on ne demande pas à tout le monde d'aller débaucher des jardiniers anglais. Mais le minimum de budget, c'est incroyable, c'est que dans notre génération, à nous, à Toulouse, il y avait même l'équipe de rugby qui jouait sur ce terrain. Et on arrivait à peu près à trouver un terrain à peu près potable. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va plus vite. Les terrains doivent forcément être à la hauteur. Si elles ne le sont pas, s'ils ne le sont pas, si les terrains n'ont pas cette capacité-là, c'est compliqué. On n'est pas au pôle Nord, ou je ne sais pas où, il y a des climats extrêmes. Oui, voilà, on est quand même dans un pays où les pelouses doivent être de bonne qualité. De grand froid quand même. Mais bon, c'est Toulouse, hein, on ne joue pas à Lille non plus. Donc. Maintenant évidemment aborder le fameux chapitre de l'effet contre Cessao. Je vous propose d'écouter tout d'abord les propos de l'entraîneur à l'issue du match. Le secret, c'est toujours le travail. C'est toujours être sérieux, être passionné pour le foot. Avoir un bon message pour les joueurs. Et voilà, donner des indications, des consignes importantes pour l'interprétation du match. C'est vrai que j'ai changé beaucoup de choses, mais il faut aussi accepter ce changement, parce que les jours ont été magnifiques, et même les personnes qui travaillent avec nous, je dis des staffs médicaux, toutes les personnes qui travaillent avec nous, ils ont accepté aussi ça. Et comme moi je suis le leader, tout le monde doit respecter ma manière de travailler, voilà, c'est ça. Alors vraiment, les supporters ne tarissent pas d'éloges pour Sergio Conceição. Steph Berthelou nous dit décidément, Sergio Conceição est vraiment un génie. Seb Lambic, lui, parle du dieu Conceição. c'est quoi l'effet Conceição? C'est vraiment, il a changé la manière... Vraiment, c'est un tacticien différent. Il a aussi changé la manière de fonctionner de l'ensemble de la jaunelière. Qu'est-ce qui fait c'est un magicien. Il a un peu tout changé. Sergio Conceição, c'est quelqu'un qui est arrivé dans une classe un peu brouillonne où les élèves avaient un niveau moyen. Ils étaient un peu dissipés. Il les a pris par la main et il s'est posé en véritable leader. Et ils avaient besoin de ça. Certains avaient besoin d'un peu plus de confiance, à l'image de Guillaume Gillet, d'autres de quelques paires de claques sans doute. Il a su jouer sur les deux échelons, si je peux m'exprimer ainsi, et bien le résultat, il est là, tout simplement. En même temps, René Girard, il apparaissait pas non plus comme quelqu'un de super fun, super détendu. C'est vrai qu'on en arrive à ça. C'est vrai qu'on est en train de se dire qu'en fait, René Girard avait pas de caractère. Je crois qu'on a oublié un truc. Mais alors, à chaque fois, c'est vrai que j'ai tendance à rabâcher parce que c'est l'âge. Mais si je rabâche, c'est pas par hasard. C'est que n'oubliez jamais ce qu'on a proposé à René Girard quand il est arrivé. On lui a dit qu'il faut que FC Nantes, on arrête d'avoir une attitude de jeu où on fait un bloc et on part en contre-attaque, c'est-à-dire qu'on joue les transitions. On veut du jeu. C'est ce qu'on lui a dit. René Girard est arrivé avec une dynamique en disant « Je vais peut-être effectivement trouver une idée de jeu différente de ce qu'ils ont vécu l'année dernière. » Il a essayé de l'imposer, ça. Mais il a bien vu que le niveau des joueurs qui lui ont été amené et le temps qu'on lui a donné pour faire une équipe qui joue au ballon. Vous savez, une équipe qui joue au ballon, on le dit au FC Nantes, c'est du centre de formation jusqu'en pro. Donc ça mettait toujours des années à avoir du jeu. Nice s'est construit en plusieurs années. Caen, c'est pareil. Lorient, même si c'est au Girondin difficile, s'est construit en plusieurs années. Nous, aujourd'hui, chaque année, on a un pulse de 8 joueurs qui s'en va et on a un pulse de 8 joueurs qui viennent. Et avec ça, vous me dites en début de saison, on va faire du jeu. Eh bien, trouvez-moi une équipe capable de faire du jeu. Bien sûr, en prenant des joueurs, je ne dis pas, de classe internationale. On prend certainement des bons joueurs, mais qu'on n'a pas le temps de voir jouer. Puisqu'ils viennent à peine démarrer, on leur demande de faire du jeu. René Girard s'est trouvé dans le mur.
C'est ça l'histoire, c'est qu'il s'est retrouvé dans le mur. Il se trouve avec une équipe avec laquelle il doit jouer, n'ayant pas des éléments à un niveau qui lui permettent de créer ce jeu-là. Et faire marche arrière avec ça, c'est compliqué. C'est là qu'effectivement, je reviens, et ta réflexion est très bonne, effectivement, la classe était brouillonne à ce moment-là parce qu'elle ne savait plus où elle était. Et là, d'un seul coup, arrive un prof un peu plus directif et qui dit « Moi, je sais exactement ce que vous valez et je sais exactement ce que je vais vous emmener. » Mais surtout, il n'a pas un président qui lui dit « Je veux du jeu ». Il y a un président qui lui dit « Sauve-nous ». C'est ce qui s'est passé avec Michel Dakarian il y a 4 ans, où il a dit à Michel Dakarian « Reviens, il faut que tu nous sauves ». Voilà, on se retrouve avec le temps, 4 ans en arrière. Et quand je vous dis que je rabâche, il y a 4 ans, j'avais déjà dit ça. Alors, Sergio, désolé, ton plateau de Canary Play. Ouais, je suis désolé. Sergio Conceição, homme de caractère, on va revenir là-dessus parce qu'il a trouvé un homologue samedi soir et il y a eu, comment dire, une petite friction, une petite prise de bec entre les deux entraîneurs. Regardez. C'est bon, ça. Mais c'est bon, ça, c'est bon. C'est celle-là. Bien sûr, il y a un mec qui est sur la même image. Le gars, là, ça va. L'idéal, ça serait d'enlever le micro, de laisser faire. Alors, tricheur, t'as pas de couilles, le vocabulaire est franc, direct, comme dit Chamac du 24. Alors, le Duprat, il a trouvé un sérieux rival là. C'est ce que vous pensez, c'est un avis que vous partagez également. C'est vraiment deux hommes au caractère bien. Il n'a pas lâché du regard, hein, quand ça. Oui, il n'a pas lâché, il s'est laissé insulter froidement et il a répondu avec ses mots à lui. Il maîtrise bien le français, apparemment. Oui, il comprend bien. Hein. Toutes les subtilités de la langue, ça passe bien. Non, mais ça correspond aussi à ces deux caractères différents, mais de très forts caractères. Et je pense que Duprat, il a enfin trouvé à qui parler sur le banc. Mais ça montre aussi qui est l'homme quand c'est Sao et ce qu'il apporte aussi au club, ce côté homme fort. C'est peut-être pour ça que les supporters l'ont tout de suite aussi, entre guillemets, adopté, si je puis me permettre. On l'avait dit, on va parler rapidement Mercato, l'arrivée d'un nouveau joueur, Pardo. Il était sur le banc de touche au départ et puis il est rentré quand même à la toute fin. On va regarder les images, quelques images de lui en match. 10 minutes, vous en avez pensé quoi, vous, de ces 10 minutes de match de cette nouvelle recrue? Pas grand-chose, à vrai dire. On l'a pas, il faut qu'on le voit plus longtemps. En tout cas, il y a une très belle action. Hein. Il a donné un bon ballon à Minarit, malheureusement. Je ne sais pas si c'est le terrain ou c'est le contrôle d'Aminarit, mais il n'a pas réussi à la rabattre dans le but. Mais en tout cas, c'est un joueur, je pense, qui va pouvoir apporter de la variété aussi dans les choix de Sergio Conceição. C'est-à-dire qu'avec lui, on peut imaginer une formation avec deux joueurs de côté, Iloki et Pardo, avec pourquoi pas Aminarit dans un rôle de meneur qui lui va très bien aussi, dans lequel il a été formé, et pourquoi pas Salah devant. Enfin, là, je fais un peu l'équipe, mais... Il y a une toute petite critique quand même des tweetos. Il paraît quand même bien lourd sur ses accélérations, Pardo, nous dit Pierre Piano 44. Et puis Antoine partage, Felipe Pardo a bien kiffé les fêtes, visiblement. J'ai une bonne nouvelle pour lui, il y a la pesée tous les matins. Donc, Je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on a confiance en Conceição, ce qui a l'air d'être le cas pour tout le monde aujourd'hui, puisqu'on a, on est complètement omnibulé par ce qu'il est en train de nous faire. On trouve ça génial. C'est lui qui choisit le joueur. C'est bien arrivé. Il y a bien longtemps que ce n'est pas arrivé, que ce soit l'entraîneur qui décide du joueur qui va venir. Bon, moi, je veux bien mettre un peu de temps. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de vous dire c'est bien ou pas bien. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que c'est Conceição qui l'a choisi. Et ça, ça fait du bien. Ouais, c'est la réflexion que je me suis faite quand il est arrivé, quand j'ai lu Pardo, ancien joueur de Conceição, etc. Je me suis dit, voilà, maintenant, vu la confiance qu'on a, qu'on commence à avoir envers Conceição, c'est forcément une bonne pioche. On va voir, nous le dira. Mais en tout cas, on est content du principe. Quoi, c'est qu'il sait, il sait où il va avec ce joueur, en tout cas. Vous pensez qu'il sera aligné dès le début de match, demain? Moi, je pense plutôt Paris, avec une formule, un attaquant de pointe. S'il faut jouer les contres, comme disait Fabrice, par rapport à l'équipe avec deux joueurs de couloir, peut-être. Je pense qu'il sera titulaire là avec Iloki sur les ailes, mais pas demain. Parler du programme à venir, juste quand même, on va regarder ce classement parce qu'il nous fait plaisir. Nantes 14e, ça c'est plutôt chouette, juste derrière Lille, devant Caen. Et justement, si on parle futur, c'est une grosse semaine pour les Canaries. Dès demain, ils vont jouer face à Caen, qui est juste derrière eux. C'est un match abordable pour les Canaries? En tout cas, c'est un match plus compliqué qu'il n'aurait été s'il l'avait joué en décembre, parce que Caen sort
d'une très bonne performance face à Lyon. Sur les trois derniers matchs, il me semble que c'est deux victoires, une défaite, et la défaite c'était contre Monaco. Donc contre, voilà, tout le monde perd contre Monaco. Donc ça risque quand même d'être plus compliqué. Ensuite, le Paris Saint-Germain, tu l'as dit, et la réception de Lyon, le déplacement à Rennes. Donc c'est quand même trois matchs costauds et il faudra quand même prendre des points. Ouais. L'idée, c'est effectivement, il faut prendre des points. C'est pas, il faut prendre des points. J'avais Paris Saint-Germain derrière. Moi, à mon avis, si je dois miser sur un match, c'est bien sûr celui-là, ensuite Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faudra oui, voilà, limiter. On les voit, hein, tous les matchs à venir. Gros programme. Hein. Caen, PSG, le derby de Rennes et puis Lille en Coupe de France. Si vous avez la chance de gagner là, trois points là, ça va nous amener pratiquement pas loin de la 10e place. C'est exceptionnel. C'est vraiment une remontée fantastique. Donc, ce match-là est important. Alors, il est important de faire attention parce que l'importance d'un match peut annihiler certaines choses. Mais aujourd'hui, ce match-là, ouais, ça, c'est un vrai bout tournant. Là, ouais. Et souvent, en janvier-février, encore plus au FC Nantes, il y a des matchs charnières. FC Nantes-Caen, c'en est un. Ça va conditionner la suite du championnat parce que derrière, on l'a dit avec le calendrier qui arrive, PSG, Rennes, voilà, si on peut se déplacer à Rennes avec cette victoire dans la besace, PSG sera un match de gala pour la billetterie. Exactement. Voilà, un match de gala, on croise les doigts en tout cas. Merci messieurs d'avoir été nos invités de cette émission. Mardi prochain, vous aurez le plaisir de retrouver Anthony Brulèze. Merci à toute l'équipe en régie. Et très bel après-midi à tous. À bientôt.